Ah, tu vois. Il est marqué le cœur. Non, c'est bien aussi, parce qu'avec son école, ils sont allés nettoyer la maison. Bon, bon. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, c'est bon, ça. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Pas la temps, et ensuite, on ira devant la communauté de l'Auxerrois, dans la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, pour redire notre refus à ce projet de PSA et de sacrifice de 33 hectares de forêt. Et ensuite, on ira là encore à la préfecture redire la même chose. Alors, quelques mots avant. En fait, il s'agit pour nous de demander aux élus, qu'ils soient nationaux ou locaux, d'arrêter leur blabla du point de vue du climat, puisque on voudrait qu'ils passent aux actes. Et là, très précisément, à Auxerre Branche, il y a un projet qui est un mauvais projet. Et donc, nous demandons que l'aérodrome reste en classe 2. Hein, il y aura d'autres interventions tout à l'heure qui expliqueront de quoi il s'agit. Il y a donc, pour vous dire qu'il y a des centaines de contributions à l'enquête publique qui sont négatives, hein, qui ont été portées à la connaissance du commissaire enquêteur. Donc ça, c'est un grand succès. On vous remercie parce que vous êtes sans doute très nombreux ici à avoir contribué. Ce n'est pas évident, c'est assez technique, c'est un dossier assez difficile. Et pour autant, il y a beaucoup de très très bonnes contributions. Donc là, merci beaucoup. Il y a 6500 signataires de notre pétition. C'est un nombre considérable, rarement obtenu pour des raisons sur des questions écologiques ou autres dans le département. Donc évidemment, ça devra être entendu. Thank you.
Néanmoins, elle comporte sans doute une bonne part de vérité. L'arbre apparaît sur Terre il y a environ 350 millions d'années, soit 300 millions d'années avant l'homme. Personnellement, j'ai du mal à visualiser des périodes aussi longues. Alors, ramenons l'histoire, si vous le voulez bien, depuis l'apparition de l'arbre à l'échelle d'une année. L'arbre apparaît donc le 1er janvier et l'homme n'apparaîtrait que vers le 10 novembre. L'homme n'inventerait l'agriculture que le 31 décembre à 23h40. Et la révolution industrielle ne débuterait que le même jour à 23h59 et 35 secondes. Très schématiquement, on peut dire que c'est avec le développement de l'agriculture que l'homme a commencé à attaquer la forêt. Cette intervention est récente, environ 10 000 ans, ou les 20 dernières minutes, si nous ramenons l'histoire à l'échelle d'une année. Ramener le temps à cette échelle devrait nous conduire à un peu plus d'humilité et de modestie, tout comme l'étude du rôle des forêts dans la formation des sols et dans la régulation du climat. Mais il n'en est rien. L'humanité se nourrit de rêves, de chimères et de dogmes qu'on appelle croissance et progrès. Aujourd'hui, à Branche, on envisage de couper 33 hectares de forêt pour permettre à quelques nantis de gagner quelques heures en utilisant l'avion pour se déplacer. Aujourd'hui, à Tonnerre, en brûlant 60 000 tonnes de bois par an, on rêve de produire de l'électricité qui servira à alimenter des écrans publicitaires ou à chauffer des terrasses de café. Aujourd'hui, dans le Morvan, on intensifie les coupes rases de feuillus qui sont broyées et brûlées dans des chaudières pour les remplacer par des champs de Douglas exploitables à la machine. Aujourd'hui, à Brignon, on envisage de couper des arbres parce que des voitures foncent dedans.
Les rapports scientifiques se succèdent et nous alertent sur l'emballement du climat à cause de l'emballement exponentiel des activités humaines. Mais face aux glaces qui fondent et au permafrost qui dégèle et libère des millions de tonnes de méthane, face aux espèces qui disparaissent, à la biodiversité qui se réduit comme une peau de chagrin, face aux forêts qui brûlent aux quatre coins du monde, en Amazonie, en Australie, au Canada, en Sibérie, face à tous ces désastres qui la mettent en péril, l'humanité rêve. Elle rêve de la 5G, avec ses millions d'antennes et ses milliers de satellites, qui permettra à tout un chacun de regarder 4 films en même temps et en 3D. Elle rêve de voitures sans conducteur pour aller dans des center parks, voir des arbres exotiques dans d'immenses serres. Elle rêve. Alors ensemble, réveillons-la avant qu'elle ne tombe du lit. Faudrait garder nos forêts pour pas avoir à suffoquer. Autour de nous, c'est évident, il y a un problème d'environnement. Autour de nous, c'est évident, il y a un problème d'environnement. Il y a climat qui se détraque, l'atmosphère qui est pas claire. C'est pourquoi, voyez-vous, on se battra jusqu'au bout. Les arbres sont nécessaires, à branches comme à haussaires. Ah mon Dieu, c'est contrariant, ces élus qui s'obstinent. Ah mon Dieu, c'est contrariant, ils gaspillent votre argent. On peut recommencer, hein. Thank you.
Trafic aérien. Les mots dynamisme économique, croissance, désenclavement, coûteux et énergivore vers Orly et Vatry. C'est l'observation numéro 87 du registre dématérialisé de l'enquête publique. Nous voulons simplement ne pas être obligé de circuler seul dans une voiture de 4 places pour nous rendre au travail, chez le médecin, à la boulangerie ou à la bibliothèque. Ne pas dépendre de la bonne volonté de nos proches ou ne pas être contraint de renoncer à sortir de chez nous si notre âge ou nos moyens ne nous permettent pas d'avoir une voiture. Mortifère. En vous priant de renoncer à ce projet, c'est la vie que nous vous demandons de protéger. Thank you.
Bravo. 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 Dans le monde où on vit, dans un joli point très libre, un terrain où parfois des filles, des petits avions sur les toits, c'est pas des grosses mécaniques, ça dérange pas les oiseaux, qui rêvent encore de l'Amérique, pour s'évader quand il fait beau, sans forcément voler trop haut. Tous les y connaissent, toutes les y connaissent, ça marche et ça bouge sans un avion, et s'ils sont lyonnais, et si elles sont lyonnaises, ils viendront en train et vivent les gares de Lyon. Même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron.